Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Aldi pour une nouvelle vidéo d'arrivage tout en couleur. On est sur un thème crêpe, je crois bien. 4 euros, nous avons ici des ustensiles qui sont super stylés. Ils sont de bonne qualité déjà. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. On a un bol doseur, un verre doseur, un fouet, une louche et une spatule. 4 euros. Et vous voyez toutes les jolies couleurs qu'on peut avoir pour mettre un peu de gaieté dans la cuisine et notamment pour la chandeleur. Pour faire ces petites crêpes, on a ici des bols mélangeurs, ils sont à 3 euros. Même système, vous pouvez choisir la couleur du socle et c'est anti-dérapant. Oula, il y a tout qui va me tomber dessus. Donc on a du orange, du rose, hein, pas mal de choses. Oui, c'est bien anti-dérapant, c'est en silicone. Ce qui est bien, vous remarquez, c'est qu'on a le bec verseur, pardon. Voilà, si on a besoin de transvaser. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Les doigts palmés sont de retour. Et il y a écrit, bien sûr, crêpe partie. On peut rajouter une boîte de conservation à 3 euros. Il y en avait chez Action, tiens, ce matin. Boîte hermétique, hein, on peut ranger ses crêpes ou d'autres choses. Celles-là, elles font 28 de diamètre. Je crois que celles de chez Action font 31. 3 euros. Je continue avec le verseur à piston. Oh, ça c'est génial, j'aimerais trop en avoir un. Ça a l'air super cool pour faire les pancakes notamment. Autant les crêpes, avec la louche, ça va bien. Mais je trouve que pour les pancakes, c'est bien pratique. Vous avez là également 4 couleurs disponibles. Après, c'est pas que pour les pâtes à crêpes en vrai, hein. Ça peut être pour d'autres choses. Mais c'est vrai que les pâtes liquides, notamment les muffins et choses comme ça, je trouve que c'est pratique. Pour 5 euros, on peut trouver ça donc chez Aldi cette semaine. On a sans surprise un batteur électrique. Pour ma part, je l'ai que en blanc. Il est à 13 euros. Donc on a bien les fouets à mayonnaise et les fouets tout court. Et ici, on peut rajouter une poêle à pancakes. Tiens, elles sont rigolotes celles-là. C'est avec des designs animaux. Donc, compatible tout feu, dont induction. Et alors, ça se met au lave-vaisselle aussi si on veut. J'essaie de voir à peu près le diamètre parce que ça fait quand même des petites crêpes. Bon, 15 euros. Pour les traditionnels, on a des poêles à crêpes en 25 de diamètre. Pas compatible pour l'induction, celle-là. Elle est à 5 euros. Mais on a peut-être celle-ci qui va sur l'induction, oui. Il faudra débourser 1 euro de plus. En revanche, elle a l'air de meilleure qualité, hein. Le fond là, il est beaucoup plus épais. Franchement, celle-là, pour 1 euro de plus, j'achète plutôt celle-là. Vous pouvez la trouver aussi en vert et en violet, en parme. Ouais, il n'y a pas photo, honnêtement. Pour 1 euro de plus, prenez celle-là, même si vous n'avez pas d'induction. Et on a celle-ci en Arthur Martin. Alors, attendez, je vais la déballer. Ça coûte 12 euros. Et en fait, donc déjà, c'est une crêpière qui est plus grande. Elle fait 28 de diamètre. Et on a en plus 2 ustensiles. Voilà ce qui justifie le prix. 12 euros en Arthur Martin, 6 euros en induction de très bonne qualité, 5 euros basique, je ne la prendrai pas si je t'ai voulu, voilà, en toute honnêteté. Et pour les professionnels de la crêpe, on a l'appareil électrique à 20 euros, donc crêpe de 30 cm de diamètre. Et bien sûr, on a l'étaleur et la spatule qui sont fournis. On peut gérer le thermostat si on veut plus fort, moins fort. En plus, il y a plein de stocks. Donc ça, c'est 20 euros. Il y a autre chose, ça c'est une crêpière réversible. Elle est plus chère celle-là, je vais vous montrer pourquoi. Ça c'est vraiment cool. C'est que là on peut changer la face et du coup faire 4 pancakes ou des mini crêpes. Voilà. Et pour les pancakes, je dis des pancakes parce que c'est vrai que c'est toujours une galère à faire des pancakes de taille égale, je parle pour moi. Donc soit vous faites une grande crêpe de 30, soit vous en faites 4 petites et il a toutes les mêmes fonctions que le précédent, donc on peut gérer l'intensité, etc. Et il est à 27 euros celui-ci. Voilà l'autre face. Et je vous emmène sur un grill qui se range partout. C'est un grill 3 en 1. Donc là, vous allez pouvoir faire des sandwichs, des panini ou griller de la viande, des croque-monsieur ou des gaufres. Les plaques, elles sont amovibles. Donc ça, c'est cool. Et c'est 25 euros. Ok ? Le air fryer, vous avez dû le voir dans leur catalogue, il est à 90 euros. Alors, j'en ai un maintenant d'air fryer, franchement c'est pas mal,
c'est pas mal pour le quotidien. Ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'il est tactile. Il y en a plein là, des air fryers avec des molettes, c'est pas la même chose je trouve. Et là, vous avez tous les programmes qui sont préfaits. Donc vous pouvez décongeler, cuire du poisson, des gâteaux, de la viande, de la pizza, tout ce que vous voulez. Ça va jusqu'à 180 degrés. Vous avez deux paniers et ils font 4 litres chacun. Donc là, pour les familles, c'est très très bien. Il est à 90 euros, c'est un bon prix. On dirait vraiment le Ninja, hein, qui est la marque de base. En puissance nominale, c'est 2600 watts. Et le fait qu'il y ait le panneau tactile, je trouve que ça change pas mal. Donc ça vous fait 8 litres en tout et 10 programmes. 90 euros. Je suis même étonnée qu'il y en ait encore. Donc là, on a fait ce côté-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener dans la zone arrivage alimentaire, parce qu'on a des promos aussi aujourd'hui. Les promos chez Aldi, c'est le mardi. Pour le food et le non-food, c'est le mercredi et le samedi. Allez, on peut commencer par les œufs poules élevées en plein air. Combien est-ce qu'ils coûtent ces œufs? Les 18 à 4 euros. Donc ça, c'est un format méga plus. À côté, on a des macaronis. On passe du coq à l'âne, hein, à 2,35 euros. Les 500 grammes. Alors ça, c'est macaronis qui se cuisent en 3 minutes. Farine d'épeautre, 1,80 le kilo. On peut aussi prendre du sucre vanillé Alza. On a 10 sachets de sucre vanillé plus 8 sachets de levure chimique alsacienne à 1,80. Les pépites de chocolat, 1,75, les 134 grammes. Après, on a des crêpes toutes faites, hein, si on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est 1,70, c'est des crêpes pur beurre. Et il y en a combien là-dedans? 10, je crois. Ouais, 10. Les 10 crêpes. Arôme fleur d'oranger, 1,50. Les confitures Bonne Maman, on a abricot pêche à 2,70, c'est 450 grammes, hein, c'est un grand pot. Ou framboise, ah non, c'est fraise framboise, à 2,99. J'aime que la framboise. Patate tartine et spéculoos, 2 euros. Le miel de Champagne, 4 euros, très belle région Champagne. Et patate tartine et chocolat blanc, aux noisettes du sud-ouest. C'est 2,80 €, il y a presque 300 grammes. Et là, c'est pour les ultra gourmands, c'est du caramel beurre salé de Bretagne au sel de Guérande. À 2,70 € le pot. On a vraiment tout pour faire des petites crêpes. Je vais aller de l'autre côté. C'est par ici, l'autre côté. Vous savez, à l'entrée du magasin, ils mettent plein de bacs bon plan. Donc c'est vrai que c'est pratique pour bien les identifier. Alors, on a de l'huile. Mélange de 4 huiles, 4,30 € les 2 litres. Ça nous fait 2,15 le litre. C'est un, on dirait un peu un dupe de l'Isio 4, hein. Ça doit être ça. Riche en oméga 3, 4,30 €. Les pilchards de harin, 2 €. La grande boîte de presque 400 grammes. Sauce barbecue, 1,95 €. Par ici, on a du jus de pomme, les 2 litres à 1,80 €. Et on peut aussi trouver de pommes poire Mirabelle à 1,70 € le litre. Salade de fruits au sirop léger, c'est 3 € les jolies. Donc là, on a poinette égouttée 600 grammes. Ah, ça j'adore. Les lentilles corail. Alors lentilles corail, elles sont à 1,50 € les 500 grammes. Et mélange de lentilles, blonde, brune, verte, c'est 1,80 € les 500 grammes. Côté, on a du fécule de maïs, je crois que c'est l'équivalence de la maïzena, 2 €. Et c'est 800 grammes, pardon. Hein. Crème de marron, vanillé, 1,70 € les 4 pots, 200 grammes. Si vous avez une Nespresso ou équivalence, on a des capsules à 3,30 €. Après, elles sont chères ces capsules. Ça, c'est espresso, vanille ou caramel. Il y en a 10 dedans. Au-dessus, on a des croissants fourrés au cacao à 2,20 €. C'est par 10. Les céréales Jordans, 4,90 € les 850 grammes. Noisettes, noix du Brésil, noix de pécan et amandes. Rien que ça. Et on a des navettes. Je ne sais plus de quelle origine c'est, de quelle région. C'est 2,39 € les navettes vendues par 8. Celles-ci, elles sont aux pépites de chocolat. Cake aux fruits, 3 €, les 12. Oh là là, ce chocolat, il est horriblement bon. Je vous le dis parce que franchement, une fois j'ai acheté ça là, plus jamais je l'achète. C'était tellement bon que je ne veux plus en acheter.
Ça, c'est la Raffaello. Normalement, elle coûte 2 euros. Là, elle est à 1,75. Et encore, moi, je crois que je l'ai eu à 2 euros et quelques. Hein. Donc, 1,75, c'est un bon prix. C'est coco, amande. Enfin, c'est très bon. Et après, vous avez les Ferrero, lait ou noir. Elles sont à 1,75 aussi. Ah non, je tourne plus autour. Les petits cookies Bonne Maman par 33, 2,50 euros. Après, on a des faux chocobons. Ça s'appelle Milk Friends. 1,60 le paquet. J'adore les faux bonbons. Je ne les ai pas goûtés, mais peut-être qu'ils sont très bons. Et pour finir avec toutes les cochonneries que je vous ai montrées, on a ceux-là. C'est des sneakers au beurre de cacahuète à 2,20 euros. On a 5 fois 2 barres. On ne s'arrête jamais aux fleurs. Hein. Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'on a. On a des orchidées à 3 branches à 10 euros. Et ça, ce sont des plantes aromatiques sur tige. Ça coûte 6 euros. Alors, c'est des camélias, tout simplement. C'est une plante aromatique, le camélia, ou je me plante? Non, c'est pas ça. C'est ça, je pense. Qui coûte 6 euros, c'est le romarin. Pas mal, en tout cas, avec le beau pot en terre cuite. Camélia, c'est pas précisé. Dommage. On a aussi de l'aloe vera ici à 3,30 euros. Vous savez que j'adore les tulipes. Hein. Regardez, ils en ont déjà ici. Les 9 tulipes à 2,50 euros. Si vous cherchez des bouquets composés, ils ne sont pas très chers. Ils sont à 3,50 euros. Voilà. Pas obligé d'aller se ruiner chez le fleuriste. Moi, un bouquet comme ça me fait plaisir. Hein. Même si c'est Aldi ou Lidl, hein, ça ne me dérange pas. Voilà les jolies. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker cette vidéo. On se fait des bisous, on se retrouve plus tard. Prenez soin de vous, bye.